Ça fait tout trembler. Merde. Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Tu m'auras pas, c'est vrai que la dernière fois tu m'avais fait le coup avec le camion et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est. Mais là la voiture c'est différent. Alors on le sait tout de suite. Ça s'entend. On le sait tout de suite. Et oui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour. Tu t'es mis la main dans le calbut. Non. Nouvelle vidéo sur Euro Truck, sur Grand Utopia. Je voulais lui faire ce petit plaisir, cette conduite en voiture avec la BMW parce que il a dit voilà, j'aimerais tellement conduire une voiture qui a pas beaucoup d'assistance dans la direction et qui se conduit pas automatiquement et tout. Donc du coup je vais lui offrir ce plaisir virtuellement. Après tu peux rouler ma voiture, ça marche aussi. Mais elle a plus de puissance et surtout aujourd'hui les amis on va faire la route du paradis. Et ça c'est cool parce que Arthur ne connaît pas. Arthur veut s'amuser. Arthur veut que la voiture glisse. Alors pour que la voiture glisse, il faut qu'il arrive à monter tout en haut déjà. Ça c'est encore une autre affaire. Donc 35 minutes. Oh mais ça va le faire. Non c'est 42 minutes, 43 minutes mec. Sachant que t'as vu l'heure donc tu sais que il va falloir les premiers virages, ils vont être déjà bien sympas. Donc les amis, la dernière fois qu'on a pris cette route, souvenez-vous d'ailleurs, c'était pareil, une vidéo hors série, bonus. C'était le convoi avec les abonnés, voilà, j'avais justement fait cette route en camion avec des abonnés, ouais. Et notamment avec My Goodness et Fox et Vitz, qui m'avaient fait un prank d'ailleurs, qui nous avaient fait un prank. N'hésitez pas à regarder cette vidéo, elle est super intéressante. Et là vous allez voir la route sous un autre angle, avec un autre conducteur d'ailleurs. Voilà, vraiment fais-toi kiffer. Vas-y à fond les ballons, n'oublie pas que t'es une bagnole. Voilà, tu vois, ça c'est quelque chose que tu peux pas trop faire en camion. Et ça c'est chouette. Et ça c'est chouette. Tu te fais pas trop respecter. Mais y'a vraiment aucun retour de force. Mais oui, mets-toi ça dans la tête qu'il n'y a pas de retour de force. Non mais c'est vraiment violent, genre même ma C3, il y avait plus de retour de force que ça. Alors mon pote, tu veux des retours de force? Attends, bouge pas. On me le met pas à fond non plus. Hein, non. Le volant est très dur. C'est vrai les volants. Et il vibre dans tous les sens. Ah, c'est réaliste. Non. C'est vrai et c'est vraiment dur. Hein. T'es à 100 km/h. Non mais le volant est vraiment dur. Ah, bah ça tourne donc attention. Ah bah. Vas-y, essaye, vas-y. Ok, tu racontes. Vas-y, accélère. Oh mais c'est génial comme ça. Ah ouais, toi tu préfères comme ça? Bah oui. Je sais pas si on l'a pris. Super, il coupe la route comme ça. Bah, il est con lui. Vas-y, continue d'accélérer. Hein. Attends, c'est bon, je tiens le volant. Ça va comme ça? C'est une double voie. Le bureau est tremble. Ça fait tout trembler. Merde. Alors là, tu vas kiffer parce que ça tourne fort. Il fait quoi là? C'est la question que j'allais te poser. Par contre, il fait vraiment des trucs bizarres des fois. Il donne des à-coups à gauche et à droite. Moi je dis, tu cherches des excuses. Ah vraiment? Alors maintenant, tu vas m'écraser le champignon et tu vas bombarder. Et tu vas pas faire d'accident et tu vas aller jusqu'au bout de tes rêves. Et parce que tu es capable. Oh non, c'est pas vrai. C'est insupportable. Double. Voilà. Très bien ça, très bien. Ouais, une voiture en face, je suis mort. Là, tu te rabats, si jamais. Voilà, très bien. Là, oui, non, mais il faut. Ah, super, très bien, très bon réflexe, bravo. Mais mec, mais c'est une horreur. Hein. Mais qu'est-ce que tu branles, mais aussi. Mais c'est illogique tout ce que tu fais. C'est pas illogique, c'est juste que le volant il agit bizarrement. Il l'a pas vu. Donc j'entends des drôles de bruit. Non mais mec, c'est horrible hein, le volant. Le volant en voiture, autant en camion, y a pas de soucis, mais en voiture. En tout cas ce jeu là en voiture c'est une horreur. C'est possible. Vas-y essaye, et roule de façon sport. Attends, je te laisse la place. Ouais, ouais, vas-y. Tu vas voir. Regarde. Hop, direct ça part, d'accord? Ouais, là ça va, attends. Donc là tu pars direct. Non, mais déjà là c'est rude. Là t'es à 100 km/h quand même là. Hein. T'es pas à 50 là. Hein. Je sais. Hein quand même, alors t'arrives là, tac. Oh, t'as vu? L'arrière est parti. Ah oui, trop. Oh. Ah bah là, l'arrière est parti aussi. Ok. Je rigole plus là. Regarde bien. Là, il y a... C'est tout mou même. Hop. Alors,
putain, tu penses vraiment à... Et fermez les yeux, les enfants. Non mais vraiment, tout à l'heure, le volant était plus dur que ça. Normalement, ça devrait faire l'effet inverse. Ça devrait être hyper dur de tourner. Et Arthur, il roule mieux quand il n'y a pas de moteur. Bah, c'est une voiture électrique. Ah bah, c'est... Mais voilà. C'est pour ça que t'arrives pas avec les vraies voitures. J'y arrive plus, surtout. Putain, j'ai pris là. Oh, là, c'était limite, mais bon. L'avantage des Tesla, c'est que... ça se remet dans le droit chemin. Ah non. Ah mais non. Ah, moi, je passe. Hein. Vas-y, ils ont eu un accident aussi. Qu'est-ce qui se passe ici? Attention, pas de voiture en face. Hein. Oh. Oh non. Oh bien, vas-y, vas-y. Oh yes. Incroyable. Incroyable. Ah non, mais non, ah non, bah t'avances maintenant. Attends, on va mettre la marche avant. Et on va essayer de la faire partir comme ça. Hop. Vas-y, passe derrière avant qu'il recule. Hop, on a grillé tout le bouchon. Incroyable. Bon, réalité d'histoire, s'il y a des bouchons... Eh bien, coupez votre moteur et laissez-vous descendre. Voilà. Oh merde, oh merde.